personne, voilà, au téléphone, par message et tout. Donc j'ai les screens, j'espère qu'on ne m'a pas menti, clairement, et c'est des personnes qui sont proches des familles de Maeva et de Greg. Alors, ouvrez Voilà, bien j'ai une grand, information très importante à vous communiquer. donc Maeva s'est remise avec Greg. Information exclusive Navi cherche. Écoutez, là, je suis vraiment pas dans le chaud. Il est 1h30 du matin, on est dimanche soir. J'ai pris vraiment le temps d'enquêter, de voir si les sources sont cohérentes, parce qu'il y en a eu plusieurs, si l'histoire est cohérente. C'est vrai, elle est en train de se rapprocher d'un autre Marseillais qui a intégré le tournage, mais ce n'est pas sérieux, c'est juste pour rendre jaloux Greg. Voilà, elle va s'amuser avec lui, mais elle va le quitter. Concernant Greg, il semblerait qu'il est en train de se rapprocher d'un nouvel. Ah, c'est la taupe! Oh mon bébé, t'as des infos sur le tournage de Marseillais? Mais non, il est plus avec Mélanie. Ah ouais, c'est une triste mélodie ça. Ah carrément, il va la demander en mariage. Mais t'es sûr de tes infos? L'heure est grave, je retire mes lunettes. Eh ouais, du people à Lyon. Il y a Mélanie à Lyon, il y a Ilan actuellement à Lyon, il y a Julien Berthe, il y a Mamie Rose aussi, vous savez, la boîte où s'est passé des choses. Donc il va se passer des choses. Mais en tout cas, là, je vais me reposer, ça fait longtemps que je ne me suis pas posé chez moi. Juste une petite précision, si jamais il y a une demande de mariage, ce ne sera pas hors caméra, hors tournage, ce sera sûrement pendant le cross ou une aventure des Marseillais, mais ce sera pas hors caméra, ça c'est sûr. Voilà, et surtout que vous soyez pro Mélanie, pro Maeva Guénham, respectons-les les deux chacune, voilà, elles méritent toutes les deux. Voilà, c'est que de la télé les gars, donc grosse force aux deux, Maeva et Mélanie.